Hier, dat is een plaats waar van oudsher al lang gedeeld wordt, waar middelen verkocht worden. Maar de laatste tijd is dat agressiever, duidelijker aanwezig in de straat. Hier is een verkooppunt, de straat ietsje verder was een andere. Ça fait déjà quelques mois, même je pense presque un an, qu'il y a souvent des bandes là-bas au coin qui ils font du trafic, à mon avis, de drogue ou de shit ou autre, je ne sais pas quoi, mais les gens sont plus en sécurité parce que moi je viens le matin en train travailler et de la gare du Midi, et il y a souvent des bandes comme ça et c'est très insécurisant pour les habitants, même pour nous qui venons travailler, quoi. J'ai jamais vu ça, jamais. Avant il y avait un bien-être. Et c'est depuis quand alors? Depuis quelques bons mois, c'est sûr, mais ils étaient toujours ici, toujours, toujours, toujours. Ça leur appartient, c'est leur zone. Sinds de politieacties vorig jaar, eind augustus, september, aan het Zuidstation, is er inderdaad een verschuiving van het probleem. Die zijn verplaatst naar de andere wijken in Sint-Gilles en in Anderlecht. Ils cachent leur drogue dans les arcs, on les a déjà vus dans les coins, tout ça. Ils se téléphonent, il y a une personne là au coin, il y a une autre personne là au coin, ils sont sur des trottinettes. Quand les flics arrivent, ils se cachent. Pendant la journée. Pendant la journée, même la nuit, c'est 24 heures sur 24. Ils sont là en plein jour. Assis sur une chaise, ils s'installent sur une chaise, les dealers. Je les ai vus mettre la drogue dans des boîtes aux lettres qui sont sur le mur à l'extérieur. Parce qu'ils se promènent, vous savez, tous cagoulés, de petits jeunes. On ne peut pas sortir le soir ici, parce qu'on ne sait pas qui on va rencontrer. Et le métro ici, c'est un point de la drogue. Ils sont là en plein jour devant tout le monde à chauffer leurs kraken, parce que maintenant c'est les kraken. Ik stel eerder vast dat niemand, ook niet de politie, veel greep heeft op de ontwikkelingen. En dat de spanningen tussen de verschillende misdaadgroepen, dat die tot aanleiding geven tot hetgeen wat er gebeurd is.